Et hop, les petits potes, on se retrouve pour une petite vidéo YouTube sur le nouveau champion qui vient juste d'être tease Voilà, je me suis dit que ça pourrait vous plaire. J'espère que ça vous plaira. Du coup, j'ai regardé les vidéos, j'ai regardé les sorts, je les ai traduits moi-même. J'espère que ça vous plaira. Je vous mettrai tout ça dans la vidéo. Je vais essayer de faire un truc assez propre. S'il y a des fautes, m'en voulez pas trop. J'ai essayé de faire ça. Ça fait longtemps que je suis dessus. Bref, du coup, on est parti. Je vous fais pas patienter plus que ça. let's go dude we'll have is it on name's on no further pleasantries needed this is a waste of my time incoming job complete just leave everything to me as usual You I I now like you less. I did not think that was possible. Voilà, donc vous, vous avez vu, il sortira en, dans le dans le patch 7.17 et du coup euh, alors là ça va, être, ça va être en anglais mais je vais, euh, je vais essayer de, de, de vous traduire ça euh, tranquillement euh, voilà en vous montrant les, les trucs Donc voilà, vous avez vu, moi personnellement quand j'ai vu cette petite vidéo qui tease un petit peu, je vous avouerai que j'ai trouvé ça assez sympa Alors du coup pour commencer, le passif, le passif, donc je vais vous montrer la vidéo et après je vous explique euh, peut-être en remettant la vidéo ce que ça fait Rien de bien méchant. Euh, son passif, alors son passif, les traductions que j'ai faites, ça sera peut-être pas, ça, sera peut pas euh, ça exactement, mais euh, vu qu'il n'y avait pas en français, je, je me suis permis de, de le faire moi-même. Donc le passif, euh, je l'ai appelé. Alors, je vais regarder sur la droite parce que j'ai mes trucs sur la droite. J'espère que vous m'en voudrez pas. Mais euh, le, le passif, du coup, je l'ai appelé Forgeron ambulant. Alors, ce que ça fait, c'est Orne peut dépenser. De toute façon, je vais y mettre normalement sur la vidéo. Vous pourrez lire. Orne peut dépenser ses golds pour se forger des items lorsqu'il est hors combat. Pour plus de facilité, les objets suggérés apparaîtront dans un menu spécial sur l'écran. Orne peut également ouvrir le shop manuellement pour construire n'importe quel objet. Et dans ce passif, il y en a un deuxième. C'est enfin euh, il y a un deuxième cache enfin oui il y a un deuxième on peut dire c'est maître artisan en et ses coéquipiers ont accès à des améliorations spéciales pour une sélection d'objets dans la boutique chaque jour ne peut en choisir qu'une parmi celles-ci voilà donc en gros ça veut dire qu'il peut utiliser si je me trompe pas le le magasin quand il est hors combat pour se forger enfin il peut dépenser ses, ses sous pour se forger des items donc j'imagine que c'est en gros acheter des items quand il est hors combat euh, il peut améliorer alors, une sélection d'objets, donc je ne saurais pas trop dire ce que c'est pour l'instant, mais euh, il peut, j'imagine, améliorer un objet un petit peu comme euh, Victor peut-être le fait quand il, quand il a son bâton et qu'il peut améliorer son bâton. Donc j'imagine un truc comme ça, euh, et du coup, euh, sur, chaque joueur peut euh, choisir euh, une amélioration euh, parmi, euh, parmi, euh, parmi la sélection. Voilà, donc ça c'est le passif. Ça, ça peut être intéressant, il euh, faut, faut voir ce que ça fait. Disons que là, en fait, c'est comme si. Euh, en, en, en fight, en team fight, on va dire, t'as pas vraiment de, de passif, tu vois. Genre C'est un truc qu'il faut que tu utilises hors combat. Donc à voir, à voir, à voir comment, comment ça se transmet euh, dans, dans, le, dans le jeu. quoi. On passe tout de suite à son A. On va regarder la vidéo, évidemment. Je vais faire ça, je vais éviter de couper. On va regarder la vidéo et ensuite je, ensuite je dis ce que c'est. Voilà, donc, je l'ai appelé, enfin, quand je dis je l'ai appelé, c'est évidemment je l'ai traduit, je l'ai traduit comme tel, je l'ai traduit comme tel, rupture volcanique, donc c'est son A, orne craquelle le sol, envoyant une fissure qui inflige des dégâts physiques et ralentit les ennemis. Après un court délai, un pilier de magma émerge de la zone ciblée, fonctionnant comme un petit mur pour quelques secondes. Voilà, donc on a bien vu, en gros, il balance, enfin il frappe le sol, Tac, il balance son Q-spell. Hop, il y a un petit muret qui se forme. Et du coup, ça agit comme un petit mur. Ça peut être, ça peut être assez, euh, assez marrant. Ça peut, euh, ça, peut, euh, ça peut être pas mal. A voir est-ce que ça traverse le, le mur et tout ça. Faut, faut voir. Ça peut être, en tout cas, ça peut être assez, assez sympa ce petit, ce petit Q-spell. On passe au Z du coup. Ah, donc son Z, je l'ai. Surnommé le souffle, en flam... le souffle enflammé, en devient inarrêtable, se protégeant d'un bouclier et cr... en crachant des flammes. Ces flammes occasionnent une portion des points de vie actuels en dégâts magiques. Les ennemis touchés par le dernier jet de flammes deviennent friables. Alors là en gros c'est euh, un sort qui, qui a plusieurs on va dire euh, fonctionnalités. On... on va revoir la vidéo, je vais la, la remets maintenant comme ça on sera fait. En gros voilà. là là, vous avez vu le, le dernier jet. Le dernier jet de flamme, ça euh, fragilise la cible. Et du coup, euh, la, la, la cible qui, qui est friable, comme j'ai appelé ça comme ça. Les ennemis friables souffrent d'une portion de leur point de vie maximum en dégâts bonus lorsqu'ils sont touchés par un effet mobilisant. Les effets mobilisants durent également plus longtemps sur les cibles friables. Donc en gros, on va regarder le dernier jet. Là, imagine que tu l'immobilises. Tu enfin, tu as, as un sort qui l'immobilise. Ça va lui faire des dégâts sur CPV maximum et en plus de ça le stun enfin l'immobilisation va durer plus longtemps on passe tout de suite à son e du coup voilà donc son e le e et souvent c'est souvent un dash sur, sur les champions euh, comme par exemple Lucian Graves enfin voilà donc comme Poppy c'est souvent des dash le, le e et là du coup ça en est encore un je vais l'appeler charge brûlante. Orne charge en avant, infligeant des dégâts à tous les ennemis sur son chemin. Si Horn rentre en collision avec le terrain, l'impact crée une onde de choc qui euh, inflige des dégâts et monte en l'air les cibles proches. Désolé, le truc qui était un petit peu coupé, j'ai eu du mal à dire. Donc voilà, vous avez bien vu, en fait en gros il charge en avant et si il rentre en collision avec le terrain, ça va monter en l'air les cibles en plus de leur faire des dégâts vous bien et les clips sont montés en l'air tout simplement donc euh, un petit dash il a pas l'air euh, spécialement euh... Je, je, je connais pas trop la portée mais si c'est juste ça la portée c'est pas non plus euh, fou fou quoi donc euh, à voir à voir il faut, faut bien sûr que les ennemis soient proches d'un mur et tout ça c'est un petit peu comme poppy on va dire c'est un petit peu le de poppy sauf que j'imagine que c'est c'est un skill shot et non pas un point and click comme, comme poppy par exemple et du coup on va passer à son sort qui je trouve est quand même le plus cool. Son ultimate. C'est insane. C'est insane. Du coup, il s'appelle l'appel du dieu de la forge. Oh, on invoque un puissant élémentaire de feu, un endroit ciblé, le bélier court ainsi en direction d'Orne avec un bonus de vitesse de déplacement. Les ennemis écrasés par l'élémentaire subissent des dégâts magiques et deviennent friables. Donc friables. Pour ceux qui, ont, qui se rappellent plus, je mettrai de toute façon, je pense les, les, les trucs en description et tout ça au cas où. Les ennemis friables souffrent d'une portion de leur point de vie maximum en dégâts bonus lorsqu'ils sont touchés par un effet immobilisant. Les effets immobilisants durent également plus longtemps sur les cibles friables. Donc en gros l'ultimate là. Quand regardez, quand le Belly va venir, paf, hop, hop. Là, on peut voir, on peut voir sur le Trundle et sur le volley, sur le c'est des boeufs sur la tête. C'est, c'est ça qui fait, euh, qu'ils sont fragilisés, qui sont euh, friables, qui sont, voilà, qui sont, euh, voilà, qui sont, ouais, qui qu fragiles, quoi. Et du coup, s'ils prennent quelque chose qui les immobilise, s'ils prennent un, par exemple, une, une cage de Morgana, j'imagine. Et eh bien la cage de Morgana va durer encore plus longtemps en plus de faire des dégâts euh, sur les PV maximum de la cible. C'est ça. Donc c'est assez, assez conséquent quoi. Imagine genre là, là pendant le bump, tu mets une cage de Morgana, le mec va être stun pendant environ 35 minutes. On est, on est déjà pas mal. Déjà que la cage faisait déjà 30 minutes, donc 5 minutes de plus, ça pas être pas mal quoi. Ça peut être pas mal. <laughs> Et du, coup, et du coup, parce que ça, je vous ai dit que la première partie, la deuxième partie c'est, comme, comme vous avez pu le voir de toute façon, Orne peut réactiver son sort pour charger à son tour. S'il percute l'élémentaire, il le redirigera. Le bélier qui aura donc changé de direction va alors envoyer en l'air tous les ennemis qu'il touche, affligeant un montant égal des dégâts infligés... Attends, attends, attends. <laughs> affligeant, pardon, un montant égal des dégâts... Euh... Déjà infligé, pardon, j'ai oublié le déjà infligé. Et leur appliquant friable. Donc dans, en fait, quand. Regardez. Là, quand il vient, friable, friable, et hop, là il est bump en l'air et ils sont toujours friables. Et le, le en fait, le montant des dégâts, c'est euh, le même à l'aller, au retour. Voilà, pour faire simple. Pour faire simple, c'est ça. Et du coup, moi je vois Horn, il peut. Hop, charger pour, euh, pour rediriger, du coup. Euh... En plus de dash un petit peu, genre j'imagine que c'est un petit dash. Enfin c'est un petit dash donc euh, voilà, c'est en plus tu fais un petit dash et tu, tu rediriges ton, ton bélier. Ça peut, être, ça peut être sympa, il y a moyen. En tout cas, moi, moi personnellement je trouve le perso assez cool. Et du coup voilà, je pense que la vidéo, enfin voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu euh, ce que c'était ce que, que tout ça. J'espère que vous avez apprécié Le la petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et en espérant que ça vous ait plu. Je vous dis à très bientôt. Peace.